Avec votre grand-mère qui habite en Gaspésie, puis votre tante qui habite en Europe, ben c'est possible avec nos super animations Zoom. Émilie, la caméraman, hein, qui est l'animatrice des animations Zoom. Donc, on en fait beaucoup. On en a déjà plus d'une centaine de faits et c'est super cool. Les gens adorent ça. Hein, Coco? Oui. Oui, Coco. Oui. Wouhou! OK, on suit pas à Coco pour... le discernement des notes d'animation Zoom, ok? C'est 10 sur 10 de la part de Coco. Ça, c'est juste parce qu'il en fait pas partie, qui est jaloux, qui donne pas une bonne note.
Donc, coucou, on dit bye aux gens. J'ai une présentation à faire. T'es dit que bye bye? Bye! Bye, coucou! Roxane, on a un super beau bonjour de la part de Mélissa Guimond, de la part de toute sa classe de l'école Félix Leclerc de Shawinigan Sud. Super! Ben salut tout le monde! Bien contente de vous savoir à l'écoute. Coco aussi, il est content de vous savoir à l'écoute. Mais lui, il va quitter. Hein? Et si vous avez des questions, les élèves, pendant la vidéo, posez-les en commentaire. Ça va me faire super plaisir d'y répondre pour vous là, en live. Donc, Coco, je te passe sur le côté, puis c'est à mon tour de prendre le relais, d'accord? Qui ne dit mot à caisse, comme on dit? Bye, coucou! OK! Salut, salut tout le monde! Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom, c'est Roxane. Donc, je suis biologiste chez Éducazoo. Et aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir de vous présenter les tortues aquatiques. Plus précisément, tortues à oreilles rouges, tortues à tempes jaunes et tortues pseudo-géographiques. Donc, Emily, approche-toi! On va regarder ensemble qu'est-ce qui les différencie l'une et l'autre. Donc, ici, on a la grosse MJ. MJ qui est une tortue à tempes jaunes. Hein? Très facile de le savoir pourquoi. Ben, c'est bien simple, quand on regarde sur le côté de sa tête, on voit que là où se trouveraient naturellement les oreilles, il y a des taches qui sont jaunes. Donc, elle porte très bien son nom. Si on regarde mon ami Raphaël ici, Raphaël qui est une tortue à oreilles rouges, qui est un petit peu gêné. Allez, sors ta tête, Raphaël. Vas-y, sors ta tête. Donc, éventuellement, au même endroit que les tempes jaunes de MJ, on va voir les espèces de taches rouges que possèdent les tortues à oreilles rouges. Donc, ça, c'est vraiment les tortues qui sont les plus vendues en animalerie. C'est les tortues les plus communes. En fait, les tortues aquatiques, on s'entend. Donc, les tortues les plus communes, les tortues à oreilles rouges. Et, Raphaël qui ne veut rien montrer, mais tout de même. Voilà. Juste ici, on a notre tortue pseudo-géographique, donc Michelangelo. Donc, si vous êtes bon en déduction, vous avez remarqué que deux de nos trois tortues possèdent des noms de tortues ninja. Hein? Ben, c'est parce que nous, nos tortues sont cool. Ils font des passes de kung-fu avec des nunchaku. Fait que c'est ça, blague à part. Mes petites tortues ici, qui vivent les trois ensemble, là, évidemment, on s'entend, c'est un setup, hein, elles ont vraiment un plus grand aquarium que ça, elles ne pourraient pas vivre à trois dans un si petit environnement à long terme. Et ce sont des tortues qui sont semi-aquatiques. Donc, pourquoi on appelle ça des tortues semi-aquatiques? C'est en fait qu'elles vont avoir des caractéristiques de tortues aquatiques, comme par exemple la carapace qui est vraiment très, très plate. Donc ça va permettre d'être très hydrodynamique. L'eau va glisser dessus, ça va faciliter la nage. Et on peut regarder également les pattes ici. Hein? Donc, les doigts vont être palmés. Donc, il y a vraiment des petites palmures entre chacun des doigts, ce qui leur permet de bien se déplacer. Et pourquoi semi? C'est que ces tortues-là, parfois, ben, elles vont faire bronzette au soleil. Hein? Elles vont sortir et se trouver un endroit où il fait chaud pour prendre des bains de soleil pour pouvoir se réchauffer. Pourquoi c'est important de prendre des bains de soleil? Ben, tout simplement parce que ce sont des animaux ectothermes. Ce que ça veut dire ectothermes, c'est que ce sont des animaux qui n'ont pas la capacité de se réchauffer tout seuls. Ils doivent se réchauffer avec l'environnement extérieur et donc par le soleil. Évidemment, chez Éducazoo, c'est bien rare qu'on va les mettre au soleil, sinon on risque de les perdre. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on leur met une super lampe chauffante comme ça, juste ici, et on leur met des possibilités d'aller se faire bronzer juste en dessous. Donc, sur l'aquarium dans lequel elles vivent, elles ont ce qu'on appelle un turtle topper. Donc, c'est une espèce de bac en plastique, si on veut, qui est fait exprès pour mettre sur les dessus des aquariums pour que les tortues grimpent dedans. Et à ce moment-là, ben, on met une lumière chauffante sur le dessus et elles peuvent se faire griller un peu comme au soleil. Et là, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Tortue à oreilles rouges parce qu'elle a... Non, pas celle-là. Tortue à oreilles rouges parce qu'elle a les oreilles rouges. Tortue à tempes jaunes parce qu'elle a les tempes jaunes. Tortue pseudo-géographique. Pourquoi elle, on l'appelle comme ça? En fait, c'est que semblerait-il que les scientifiques qui l'ont découvert trouvaient que sur sa dossière, donc qui est la carapace ici, donc trouvaient que... voilà, effectivement, on va mieux voir si je la mets sous la lumière. Trouvait que les lignes qu'il y avait sur sa carapace ressemblaient un peu à une carte géographique. Laissez-moi vous dire que des fois, les scientifiques sont un petit peu bizarres quand ils trouvent des noms. Soit ils cherchent pas trop, soit ils cherchent trop. Hein? Tortue à tempes à oreilles rouges, tortue à tempes jaunes, pas trop cherché. Tortue pseudo-géographique parce que la dossière ressemble à une carte géographique.
C'est peut-être un petit peu trop poussé. Il y a un autre nom qu'on va donner à cette tortue-là. On l'appelle aussi la tortue à dos de scie, à cause des écailles ici. Donc, il y a comme une espèce de petit pointu qui va remonter. Et là, vous voyez qu'elle pagaie, elle pagaie, elle pagaie. Donc, elle essaie de nager. Mais non, elle ne peut pas. Elle est dans mes mains. Je vais la remettre bientôt dans la piscine. Donc, juste ici, hein, il va y avoir des petits pointus au niveau des écailles qui sont vertébrales. Donc, on les appelle comme ça, ces écailles-là, parce qu'elles se retrouvent au niveau de la colonne vertébrale de ma tortue. Et au niveau des écailles qui sont marginales, donc celles qui se retrouvent tout autour ici, donc il y a aussi les petits piquants là, sur le côté. Donc, c'est pour ça qu'on va l'appeler de cette façon-là. Un autre nom qu'on va donner pardon, à la tortue à tempe jaune, c'est la tortue à ventre jaune. Pourquoi? Elle a le ventre jaune. Voilà. On a cherché moi, hein? Finalement, cette tortue-là ici, que je vous disais, la tortue à oreilles rouges, qui est la tortue la plus commune dans les animaleries, c'est vraiment celle qu'on va adopter, ben, on l'appelle aussi la tortue de Floride parce qu'elle nous provient de Floride. Voilà, les scientifiques qui ne cherchent pas tout le temps très très loin. Donc, ces trois tortues-là, en fait, nous proviennent des États-Unis. Il y a la tortue pseudo-géographique qu'on retrouve un peu au Mexique également. Donc, ce sont vraiment des tortues qui ne vivent pas naturellement ici, mais chez la tortue à tempe jaune et la tortue à oreilles rouges, elles ont su s'adapter à l'environnement québécois pour y survivre. On les retrouve au Québec, on les retrouve dans le Canada. Pour quelle raison on les retrouve là? Ben, c'est bien simple. C'est parce que les gens adoptent des tortues à la maison. Quand elles naissent, les bébés tortues, elles font à peu près 3 cm de long. C'est vraiment mignon, c'est vraiment cute. Puis on se dit, wow, trop mignon, ça va rester petit comme ça. Super cool. Erreur, taille adulte. Hein? Donc, on s'entend que quand on achète la tortue grosse comme ça, c'est l'équivalent de sa longueur de tête. On ne s'attend pas à avoir quelque chose d'aussi gros, mais au bout de la ligne, ça va devenir gros comme ça. Donc, c'est vraiment un grand pensée-sibien. Et c'est une tortue qui vit quand même assez longtemps. Donc, les trois espèces ici vont vivre autour là, de 20-25 ans. Ça peut aller jusqu'à 40 ans en captivité. Donc, c'est vraiment des tortues qui vont vivre très, très, très longtemps. Et pourquoi on les retrouve dans la nature? Bien, c'est que souvent, les gens vont se rendre compte que finalement, bien, ça vit un peu trop longtemps, c'est un peu trop grand à leur goût. Donc, ce qu'ils vont faire... Tortue aquatique, ça vit dans l'eau. Ben pourquoi ne pas aller les mettre dans nos beaux fleuves, dans nos beaux lacs et rivières? Et malheureusement, ben ça a un impact très très négatif sur les tortues qui vivent naturellement ici au Québec, parce que ben ils vont manger les œufs de nos tortues natives du Québec, ils vont détruire leur site de nidification ou encore les utiliser pour eux-mêmes. Donc ça a un impact assez négatif là, sur les tortues qui vivent ici. Émilie, on avait une question. Oui, donc Marianne Hollywan se demande, est-ce qu'elles peuvent vivre les tortues sans leur carapace? Est-ce qu'elles peuvent vivre sans leur carapace? C'est une super bonne question. Et je te réponds tout de suite, c'est non. La réponse, en fait, elles ne peuvent pas vivre sans leur carapace. Et je vais t'expliquer pourquoi. Laisse-moi juste prendre un petit accessoire de l'autre côté. Et je te reviens. Donc, je te montre ceci. C'est une belle carapace de tortue marine. Donc, évidemment, ce n'est pas une tortue qu'on avait chez Educazoo. C'est le ministère, en fait, qui nous l'a prêté parce qu'il a été saisi aux douanes, parce que c'est illégal de faire le commerce de ça, en fait, d'en avoir à la maison. Donc, quand il y a des gens qui ramènent des accessoires comme ça qui sont faits à partir d'animaux et que c'est réglementé, bien, ils se le font saisir aux douanes. Puis, bien, ils nous les prêtent à nous pour qu'on fasse de l'éducation et de la sensibilisation. Et comment on fait pour le savoir? Bien, c'est bien simple. Il y a un numéro juste ici, dans ma carapace. Et juste en dessous du numéro, qu'est-ce qu'on voit? La colonne vertébrale de ma tortue. Donc, la tortue, si on lui enlève sa carapace, on lui enlève sa colonne vertébrale, on lui enlève ses côtes aussi. Donc, elle n'a plus aucun soutien. Du tout, du tout. Donc, c'est vraiment bien, bien important pour eux de toujours avoir leur carapace. Et c'est pour ça que, parfois, dans des accidents de la route, par exemple, il y a des voitures, ça va arriver parfois qui vont rouler sur les tortues, qui vont briser la carapace. Bien, à ce moment-là, c'est rare, à moins d'avoir des soins immédiats, que la tortue va s'en sortir parce que ben, c'est sa maison complètement qu'on vient de craquer, qu'on vient de casser. Et qu'est-ce qui va abriter en dessous de cette carapace-là? Ben, évidemment, ça va être les organes. Donc, il va y avoir vraiment tout ce qu'il leur faut pour fonctionner. Donc, le cœur, les poumons, l'intestin, etc., etc. Donc, en roulant dessus avec un véhicule, ben, on risque aussi de blesser les organes internes, un peu comme si nous, par exemple, on avait un accident de voiture.
On a une autre question, Émilie. Oui, donc Océane Levasseur se demande pourquoi la femelle tortue est plus grosse que le mâle. Pourquoi la femelle tortue est plus grosse que le mâle? En fait, c'est bien simple. La femelle, elle garde les œufs dans son ventre le temps qu'elle soit prête à les pondre. Donc, en étant plus grosse, elle a plus d'espace pour emmagasiner ces œufs-là. Et de cette façon-là, ben, c'est plus facile pour elle d'avoir une plus grande quantité d'œufs. Le mâle, lui, il n'a rien à emmagasiner à part des spermatozoïdes, ce qui ne prend pas beaucoup de place étant donné que c'est microscopique. Donc, c'est pour ça que la femelle, elle est plus petite, la femelle est plus grosse que le mâle. Une chose aussi qui va différencier les mâles des femelles, la longueur de la queue. Souvent, la queue chez les mâles va être beaucoup plus longue et plus large que chez les femelles. Hein? Si on fait une comparaison avec ma belle MJ ici, là. Hein, donc, au niveau de la... Ouais, arrête de donner des coups, pauvre chouette. Donc, au niveau de la largeur de la queue, celle de mon ami Raphaël dans ma main droite qui vous apparaît à gauche est plus large que celle de MJ qui est une femelle. Et aussi, une autre chose qu'on peut regarder à la base de la queue, l'orifice du cloaque se trouve ici chez le mâle, donc il va être vraiment plus loin sur la queue, alors que chez la femelle, ça va se trouver vraiment à la limite du plastron. Le plastron qui est la partie juste ici, qui est reliée à la dossière, ici. Donc, les deux parties ensemble vont composer la carapace. Oui, Émilie? Oui, donc Louis se demande, si j'adopte une tortue, qu'est-ce que je dois lui donner à manger? C'est une très bonne question. Ces tortues-là, qui sont aquatiques, généralement vont être omnivores. Donc, elles vont manger un peu de tout. Nous, ce qu'on fait chez Educasu, c'est qu'on leur donne des granules qu'on achète à l'animalerie, mais c'est pas suffisant. Donc, généralement, on peut aussi acheter des petits poissons, des poissons rouges. Fait que c'est tout le temps un peu cocasse de regarder les tortues chasser les poissons rouges. Ils sont pas super agiles. Fait que c'est quand même un bon moment. On peut se faire cuire du popcorn, regarder ça en riant. C'est toujours très drôle. Mais une particularité, par exemple, qu'ont les tortues pseudo-géographiques, qui est mon ami Michelangelo ici, c'est que les femelles sont omnivores, alors que les mâles vont se nourrir exclusivement d'insectes et de mollusques. Donc, eux, ils vont avoir une alimentation qui est un petit peu plus particulière. Et là, regardez, juste ici, voyez-vous ce qui est en train d'arriver? Ma tortue pseudo-géographique Michelangelo est en train de muer d'une écaille. Et ce qui est vraiment fascinant avec les tortues, c'est que lorsqu'ils vont muer, on appelle ça une mue qui est continue. Ça veut dire qu'ils vont toujours muer tout au long de l'année, sauf que parfois, ben, ça va être cette écaille-là, comme celle que je viens d'enlever. Par exemple, dans un mois, ça pourrait être cette écaille ici, alors que dans trois mois, ben, ça pourrait être l'écaille juste ici sur le côté. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est continue, parce que ça se fait continuellement. Donc, c'est vraiment cool que vous ayez vu ça. Là, évidemment, elle est mouillée, elle est un petit peu lisse, puis elle est cassée, mais... Normalement, là, j'ai amené ça ici. Quand on les conserve, ça semble un peu comme à des chips. Donc, c'est un petit peu plus rigide, là, la petite écaille. Puis ça, si vous voyez ici, on a comme un petit rebord. Donc, ça nous permet de comprendre que ça serait une écaille qui était marginale. Donc, les écailles marginales que je vous ai mentionnées tout à l'heure, lesquelles c'est? Ce sont les petites écailles qu'on retrouve ici sur la marge. Probablement que c'était une écaille qui s'imbriquait comme ça sur le côté de la carapace. Au niveau de la reproduction, hein, qu'est-ce que ça prend en fait? Comment ça fonctionne la reproduction chez les tortues aquatiques? Mais chez ces espèces-là, c'est quand même relativement simple. Le mâle, il danse. Ben ouais, le mâle, il danse pour séduire la femelle. On n'est pas chanceux, nous, les humains. C'est bien rare que notre mâle, il va danser pour nous séduire. Ceux qui dansent, ben, vous êtes extraordinaires. Donc, blague à part, mais les mâles tortues, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se placer, ils vont se positionner devant une femelle de leur goût et ils vont allonger leurs pattes d'en avant comme ça. Et là, une particularité, c'est que chez les tortues aquatiques, ce sont les mâles qui ont les grands ongles, qui sont ceux qui vont faire des manucures. Et ils vont montrer leur belle manucure à la femelle. Donc, ils vont faire aller leurs petites mains comme ça devant la femelle. Puis, ça a l'air que c'est vraiment séduisant. Et ça fonctionne. Il s'ensuit un accouplement entre le mâle et la femelle. Donc, généralement, chez les tortues qui sont plutôt aquatiques, l'accouplement, voilà, va se faire sous l'eau. Okay? Est-ce que les tortues peuvent respirer sous l'eau? Non. OK?
que ce soit des tortues semi-aquatiques comme celles que j'ai ici, que ce soit des tortues marines, elles ne respirent pas sous l'eau. Elles peuvent seulement retenir leur souffle assez longtemps. Donc, lors de la reproduction, une chose qui est difficile avec les tortues qui sont marines, c'est que souvent, il va y avoir plusieurs mâles qui vont être en compétition pour se reproduire avec une même femelle. Et quand un mâle est accroché après la femelle, s'il y en a un autre qui arrive, son truc à lui, c'est de les caler dans le fond de l'eau pour que le mâle manque de souffle et qu'il arrête de se reproduire avec la femelle. Donc, on s'entend que c'est un peu dangereux, hein, comme technique pour essayer de se trouver une blonde. Mais bon, c'est efficace et ça leur permet de bien se reproduire. Une fois que l'accouplement est fait, la femelle va fabriquer ses œufs. Et pour ces trois espèces-là, on va faire environ le 5 à 20 œufs. Généralement, une dizaine d'œufs maximum qui vont pondre, mais ça peut arriver qu'il y en ait moins ou qu'il y en ait plus, dépendamment des conditions, au niveau de la température et tout et tout. Puis, une fois que la femelle est prête à pondre, bien, elle va sortir sur la terre ferme, elle va se creuser un petit nid, elle va pondre ses œufs qui vont se mettre en incubation pour environ là, deux mois et demi. Une fois que l'incubation est terminée, bien, les petits bébés vont sortir. Et comment ils font pour sortir? Ils ont ce qu'on appelle sur le bout du nez, donc ici, une écaille qui s'appelle la dent de l'œuf. Donc évidemment, à l'âge adulte, les tortues ne possèdent plus la dent de l'œuf parce que ça sert juste à sortir de leur œuf. Donc c'est une petite écaille, la dernière structure qui va se former sur le bébé tortue, ça va être cette petite écaille-là qu'on va retrouver au niveau du nez, qui va être un petit peu pointue, qui va servir à percer la coquille. Quelques jours après l'éclosion, bien, le bébé tortue va tout simplement perdre cette petite écaille parce qu'elle ne sert plus du tout à rien et c'est là qu'elle va aller faire sa vie. Et malheureusement, le Raphaël, come on, on fait pas des dépassements en pilant sur ses amis. Voilà. Est-ce qu'on avait une question? Oui, mais dans oui, le fond, okay. On en a non. Ben, vas-y, pose-les toutes. Elisabeth aimerait savoir si on peut leur faire une promenade dehors. Oui, sous surveillance, parce que ça a l'air de rien. On dit souvent que les tortues sont lentes, mais je te confirme que les tortues aquatiques, quand tu les mets à plat sur le ventre, c'est quand même assez rapide, donc il faut garder un œil sur elles. Nous, ce qu'on aime bien faire des fois l'été, quand on va laver leur aquarium, c'est qu'on va mettre un grillage, dans le fond, à l'extérieur. On les met dans le grillage, donc elles peuvent se promener, elles peuvent se faire bronzer au soleil, c'est pas un problème du tout, mais au moins, elles sont dans le grillage, il n'y a pas de risque qu'elles s'échappent. Oui, Océane voudrait savoir qui sont leurs prédateurs. Qui sont leurs prédateurs? Bien, c'est là que je m'en venais avec les bébés tortues. En fait, les prédateurs sont assez multiples. Oiseaux, mammifères, des reptiles plus gros qu'eux. C'est sûr que MG, il y a peu de chances qu'un serpent ait envie de la manger. Elle est quand même assez grosse. Mais un mammifère avec des grosses dents, une espèce de gros chat sauvage, ça pourrait avoir envie de la manger. La carapace, elle n'est pas indestructible. Puis, ça pourrait être assez facile là, pour un prédateur avec des grandes griffes d'aller chercher la chair au niveau des pattes et de la tête. Mais c'est un peu dégueu tout ça, fait qu'on va passer à la prochaine question. Oui, donc on a des questions des élèves de Vicky. Donc, allô, Vicky. Vicky qui est une employée ici. Oui, donc Bradley aimerait savoir si elles peuvent respirer sous l'eau ou plutôt pendant combien de temps elles peuvent respirer sous l'eau. OK, parfait. En fait, elles ne respirent pas sous l'eau. MG, ce n'est pas de la nourriture. On va l'enlever. MJ est un peu nouille, hein? C'est pas parce que c'est gros que c'est nécessairement intelligent. Donc, combien de temps ça respire sous l'eau? En fait, les tortues aquatiques ne respirent pas sous l'eau. Elles vont retenir leur souffle, mais ça peut être quand même plusieurs heures. Et une chose qui est super fascinante à propos de ces tortues-là, c'est que elles se sont adaptées, comme je vous l'ai mentionné tantôt, au climat du Canada, du Québec. Et l'hiver, elles vont hiberner. Donc, elles vont hiberner dans l'eau, qui est froide, qu'il y a une couche de glace sur le dessus, donc à la surface. Puis, avant même d'hiberner, quand les températures ne sont pas trop froides encore, bien, parfois, on va les voir se promener, ces tortues-là, en dessous de la surface de la glace. Et quand les températures tombent vraiment froides, comme par exemple, quand il fait moins 30, moins 40 degrés, bien, nous, on s'habille, eux autres, ils hibernent. En quoi ça consiste? C'est qu'ils vont descendre leur métabolisme au minimum. Et à ce moment-là, bien, ça peut être une respiration aux 10, 15, 20 minutes, si c'est pas plus. Donc, c'est vraiment une super bonne adaptation qu'ils vont avoir pour l'hiver. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Gabriella aimerait savoir combien de bébés peuvent avoir les tortues. Parfait. Donc, ces tortues-là, précisément, peuvent avoir entre 5 et 20 bébés. Donc, généralement, comme je mentionnais tout à l'heure, ça va tourner autour d'une moyenne de 10 œufs qu'ils vont pondre, mais ça peut arriver qu'il y en ait moins ou qu'il y en ait plus, dépendamment des conditions au niveau de la température. Et là, regardez mon ami Raphaël qui se dit « Ça y est les chums, moi je bronze au soleil ou pas. » Bye Raphaël, j'étais contente que tu te fasses bronzer, mais c'est correct.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Émilie? Oui, Marianne, Oliane, est-ce que les tortues, ils sentent quand on touche leur carapace? Oui, effectivement, elles vont le sentir. Là, c'est sûr que c'est plus difficile un peu pour moi de vous le démontrer parce qu'elles sont, elles sont dans l'eau. Mais on a mis une super vidéo tout à l'heure. Je vous mentionnais là, nos différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous suivre. Donc, notre plateforme TikTok, on a une belle vidéo d'Émilie, qui est la caméra woman qui pose les questions, où elle va flatter la carapace de notre tortue Leonardo, donc notre tortue charbonnière. Puis Leonardo, ben il baisse ses fesses parce que effectivement, il va y avoir de la sensation au niveau... ouais, c'était un peu pété la tronche. au niveau de la carapace. Super! Pour les questions, ça faisait pas mal c'est le tout? Tour. Oui. Super! Excellent! Donc... C'était vraiment bizarre, j'ai comme sonné un peu comme Monsieur Burns dans les Simpsons. Entre-temps, Élodie Macha demande « Comment tu connais tes tortues, leur grosseur, leur couleur? Comment tu fais pour les reconnaître? » Comment on fait pour les reconnaître? Ben, c'est bien simple, les trois, c'est des espèces qui sont différentes. En fait, je dis des espèces différentes, c'est pas tout à fait vrai. Ici, j'ai une espèce différente qui se trouve à être la tortue pseudo-géographique. Donc, quand on la regarde, là, elle, c'est la seule qui va avoir comme des espèces d'épines au niveau de sa dossière et des petites écailles juste ici. Elle va avoir également des grandes lignes jaune-orange au niveau de sa tête. Elle gigote beaucoup, ma tortue. Donc, pseudo-géographique. La tortue à oreilles rouges, juste ici, Raphaël. Et ma tortue à tempe jaune. En fait, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est deux espèces différentes, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est la même espèce, ce sont deux sous-espèces différentes. Donc, à la base, l'espèce prédominante, c'est la tortue de Floride. Puis, dépendamment des reproductions avec d'autres espèces qui vont avoir fait, mais ça va avoir donné des sous-espèces, comme la tortue à tempe jaune et la tortue à oreilles rouges. Donc, elle, vraiment facile de la reconnaître. Hein, elle a le côté de la tête qui est rouge, donc au niveau des oreilles, si on peut appeler ça comme ça. Et ma tortue à tempe jaune, ben, c'est la plus grosse de la gang, hein, la grosse MJ. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on réussit à les différencier. Oui, donc, Alex aimerait savoir combien de tortues on peut avoir dans le même aquarium. OK. Combien de tortues tu peux avoir dans le même aquarium? C'est certain, en fait, que ça dépend de la grosseur de ton aquarium, ça dépend de la grosseur de tes tortues. Est-ce qu'elles sont à taille adulte? Elles sont jeunes encore? Est-ce que tu es prêt à investir pour acheter un plus gros aquarium? Puis aussi, ça dépend un peu du caractère de chacune des tortues. Nous, on est vraiment chanceux chez Educazu. Nos tortues s'entendent vraiment toutes bien. Il n'y a jamais de chicane. Mais ça peut arriver quand même. C'est pas nécessairement des espèces qui sont solitaires. C'est pas nécessairement des espèces qui sont grégaires non plus, qui vont apprécier de vivre ensemble. Ils se tolèrent, si on veut. Ils s'entendent bien tant que chacun a son espace. Parfois, ça va arriver qu'ils vont aimer prendre des bains de soleil ensemble. C'est quelque chose qui est vraiment typique des tortues pseudo-géographiques. Généralement, quand il y a une amie tortue qui est en train de prendre un bain de soleil, bien, elle grimpe et elle est comme « Salut, je m'en viens de te tenir pour pas dire, moi, si je me fais bronzer. » Donc, ça dépend vraiment de chacune des tortues. Ça dépend de plein de critères différents. C'est certain que... Ah, une autre écaille. J'ai perdu le petit. Voilà, une autre écaille qu'on a trouvée. Ça, c'est chouette. Donc, ça dépend vraiment de plein de critères. Là, si tes tortues sont toutes petites, ben, il faut que tu considères qu'à taille adulte, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, généralement, ça devrait te limiter sur le nombre d'individus à avoir dans un même aquarium. Oui, Marianne demande, est-ce que les tortues peuvent s'accoupler en différentes espèces? Excuse-moi, Marianne, je prends juste une gorgée d'eau. Est-ce qu'elles peuvent s'accoupler en différentes espèces? Généralement, il y a ce qu'on appelle la reproduction intraspécifique, ce qui fait en sorte que, à moins que ça soit des espèces qui sont assez similaires, généralement, ça va être espèce avec espèce. Donc, c'est vraiment rare qu'ils vont se mélanger entre eux. Je ne dis pas que c'est impossible. Donc, s'ils sont dans un même environnement, que ça fonctionne, ils ne sont pas de taille trop différente, c'est comme un peu si on voulait coupler un chihuahua avec un berger anglais, ben c'est un petit peu complexe, un petit peu différent parce que c'est vraiment des espèces qui ne se ressemblent pas du tout. Puis au niveau de l'anatomie, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est la même chose avec les tortues. Les nôtres, il y a des chances. Par exemple, si on veut que voyons, Raphaël puisse s'accoupler avec notre ami MJ, pourquoi? Ben parce que ce sont deux tortues de la même espèce, de deux sous-espèces différentes, mais étant des sous-espèces, on pourrait avoir de la reproduction. Mais nous, ce qu'on remarque souvent, c'est que Raphaël a un gros kick sur Michelangelo. Il est tout le temps en train de faire des danses de doigts. Mais comme ces deux espèces qui sont assez loin l'une de l'autre, il y a peu de chances qu'ils finissent par se reproduire.
Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non, merci, Roxane. Pas pour l'instant. Super. Les tortues, est-ce que ça a des dents? Non. Ça n'a pas de dents, les tortues. Ça a ce qu'on appelle des lamelles osseuses. Donc, c'est comme un peu des écailles qui sont bien, bien, bien aiguisées juste ici à la base. Et ça tombe comme un petit bec. Et c'est pour ça... MJ, t'es donc bien étonnante. C'est pour ça que... C'est jamais une très bonne idée de se mettre les doigts devant la bouche d'une tortue parce que si ça décide que ça croque, ben la morsure est quand même assez douloureuse. Et dépendamment de la taille de la tortue, ben ça peut vraiment faire mal. Hein, donc ça peut littéralement couper. Autre chose aussi qui est intéressante à savoir à propos des tortues, c'est par rapport à la salmonelle. La salmonelle, c'est une petite bactérie, en fait, qui cause la salmonellose. Et qu'est-ce que c'est la salmonellose? C'est une petite maladie pas très sympathique qui fait en sorte qu'on va souvent aux toilettes. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que les reptiles sont naturellement porteurs de la salmonelle. Donc, c'est pour ça que quand on manipule un reptile, c'est bien important de se laver les mains après l'avoir manipulé, avant même de se mettre les mains dans le visage ou de se toucher. Pour eux, les tortues aquatiques, ce qui est particulier, c'est que cette petite bactérie-là, la salmonelle, va se retrouver dans leurs excréments. Donc, c'est la même chose pour tous les reptiles. Sauf que les tortues aquatiques, bien, quand ils ont envie de faire leurs petits besoins, ils sont dans l'eau. Donc, où ils les font? Dans l'eau, tout simplement. Et ça fait en sorte que l'eau va être, si je peux dire, contaminée à la salmonelle. C'est pour ça que lorsqu'on manipule des tortues aquatiques, c'est ultra, ultra important de se laver les mains adéquatement là après. Et là, vous voyez ma grosse MJ qui fait je ne sais quoi, des chin-ups, des push-ups, elle fait ses exercices de l'après-midi, elle est comme wouhou, on se met en forme, c'est le temps, il fait beau, je vais mettre mon bikini demain. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait, mais définitivement, elle n'a plus envie de rester dans la piscine. Donc, je vais la mettre ici pour qu'on puisse la voir un petit peu. Et là, en même temps, vous allez pouvoir voir à quel point ça peut marcher vite une tortue. Et là, juste parce que je dis ça, elle ne marchera pas. Est-ce que tu veux marcher un peu, ma chum? C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur exemple. MJ est quand même grosse. Entre-temps, Nathan demande, est-ce qu'une tortue peut se laver? Peut-elle se laver? Ben, elle ne va pas se laver à proprement parler, dans le sens où elle va pas se lécher comme un chat. Compte tenu qu'elle est dans l'eau, elle se lave elle-même tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas fait ses besoins. Parce que rendu là, ben... elle nage dans son caca, c'est un peu moins propre. Mais non, les tortues ne vont pas se laver à proprement parler. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la mettre dans le bain, lui mettre un petit jet d'eau, elle va aimer ça. Elle va se faire laver si on veut. On pourrait, à la limite, là, prendre une petite brosse à dents, frotter sur les écailles, parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que lorsque l'eau n'est pas changée régulièrement, il peut y avoir des algues qui se développent. C'est quand même assez commun chez les tortues de mer, par exemple, que des algues se développent sur leur écaille de carapace aussi. Donc, frotter avec une petite brosse à dents, ça peut aider si jamais il y a des développements d'algues à les faire partir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y en a plusieurs qui se demandaient encore au niveau des prédateurs. Les prédateurs, ok, parfait. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est surtout lorsque ce sont de petites bêtes, donc quand ils sont bébés, là, ils vont atteindre environ un 3 cm de long lorsqu'ils sortent de leur œuf. Donc c'est sûr que c'est plus facile pour un prédateur de prédater une petite tortue qui fait 3 cm qu'une grosse tortue comme MJ ici qui peut atteindre 20-30 cm à taille adulte. Donc voilà, au niveau des prédateurs, c'est plus au niveau des petits, mais ça pourrait être aussi bien oiseaux, mammifères, autres reptiles, etc. On a une autre question. Mais dans le fond, Roxane, c'est qu'on a une super annonce, à vrai dire, le blog TPL Mom vient tout juste de sortir un article sur la belle nappe éducative. Oh, super! La fameuse nappe Bimo qu'on vous a présentée il y a déjà 2 semaines, donc le 6 mai. Donc, nappe éducative que ma collègue Joannie est partie chercher. C'est une nappe qui est super, super cool. Donc, une nappe sur laquelle se trouvent différents animaux qui vont avoir des postures différentes. Donc, c'est une nappe qu'on a sortie en collaboration avec Bimo, avec Regard Neuf et évidemment Etikazoo. Et si on regarde ici, là, on a différentes bulles avec des animaux, donc plusieurs niveaux de coloriage. Donc, au niveau ergothérapique, c'est très bon. Et
Ce qui est sympathique, c'est que la nappe est inspirée du livre La marche des animaux, qui est vraiment un livre qui se veut excellent pour l'ergothérapie, pour la dextérité des enfants et tout. Donc, le dessin va aller chercher ce niveau de dextérité-là. Et on peut également imiter la marche des animaux. Donc, c'est des petits exercices qu'on peut faire avec les enfants. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette nappe-là, on peut utiliser des crayons feutres qui sont lavables et on peut dessiner directement dessus. Après ça, on met ça dans la laveuse, le tour est joué, on recommence à zéro. Donc, très nice! Donc, cette nappe-là, elle est vendue sur les sites de Bimo, Regard Neuf aussi. On peut l'acheter avec soit le livre La marche des animaux, on peut l'acheter avec les crayons lavables. Et ce qui est super chouette, c'est que c'est un beau partenariat pour nous. En fait, c'est que pour chaque nappe vendue, il y a 5$ qui va être remis au Refuge Éducazou pour nous aider à subvenir aux soins des petits animaux là, en ce temps de crise. Donc, on espère que ça se termine bientôt. Le déconfinement a commencé. On souhaite que tout reste positif pour la suite. Et sur ce, ben moi je vous souhaite une belle fin de journée. Écrivez-moi en commentaire l'animal que vous aimeriez que je vous présente jeudi prochain à 14h. Puis d'ici là, ben passez une très belle fin de journée. Si vous voulez des animations spéciales, vous le savez, les animations Zoom, on est là pour vous. Et maintenant, ben vous pouvez regarder la belle Michelangelo qui a décidé qu'il se faisait bronzer sans son bikini. Je ne faisais pas de monokini à Tokyo tout nu. À Tokyo tout nu. Je ne faisais pas. Je ne faisais pas. Come on, Kenny.